Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais découvrir ma dernière commande que j'ai faite chez WW. Ils effectuaient la dernière des marques cette semaine lors des promotions des soldes. Donc j'en ai profité pour me faire plaisir. Donc j'ai acheté les derniers magazines de janvier, février, mars, avril, mai et juin, qui étaient entre 50 centimes et 1 euro. J'ai pris pour goûter cette fois-ci les petits bonbons aux fruits qui étaient aussi également en promo. Les petits sablés que j'ai jamais goûté, donc ça va me permettre de les goûter. Le guide des sorties qui était en promo également. Celui-ci, j'avais eu un cadeau avec le code de Ange. Donc je vous mettrai les codes en bas de la vidéo. J'ai eu un cadeau avec le code de Ange aussi. Les spaghettis que j'avais goûté, ça va me permettre de goûter. Je me suis fait plaisir en achetant le kit des petits pains, bon, qui n'était pas donné, mais je pense que je pourrais m'en servir facilement et régulièrement pour mes petites recettes. J'ai déjà plein d'idées en tête que je vais vous faire partager rapidement, j'espère. J'ai pris également le kit de barres céréales. Pas forcément pour moi, mais pour faire des barres de céréales à mon mari qui en réclamait car il est très sportif et fait beaucoup de sport. J'ai pris pour moi des plats préparés, chicken tikka masala, pour les midis où je suis toute seule ou pourquoi pas les jours de flemme, ça m'arrive aussi. Vous pouvez remarquer que j'ai pris beaucoup, 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 beaucoup de chips. Ils étaient à 30 centimes le paquet. Et c'est des chips que je mange régulièrement car là, durant l'été, même s'il ne fait pas très beau, je fais beaucoup d'assiettes froides le midi ou les pique-niques. Les vacances arrivent, donc on va pique-niquer aussi avec les enfants. Ça m'évitera de prendre des paquets. À 6-7 points, les chips classiques. Bon, j'ai pris pareil, des petits gâteaux pour l'apéritif. Et voilà, écoutez, j'ai fait le tour. Je crois que mon colis est quand même bien complet. Je vais pouvoir faire de nouvelles recettes. Et j'espère vous les faire partager très rapidement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt.